Cette évacuation, elle a commencé aux alentours de 7 heures ce matin et toutes ces personnes qui sont là derrière moi, elles patientent avec leurs affaires à la main qu'elles ont empaquetées dans des sacs poubelles, dans des sacs de supermarché pour monter à l'intérieur un de ces cars. Il y en aurait 70 qui seraient mises à disposition pour les prendre en charge. Ce sont les femmes et les enfants qui devraient être évacués en priorité. Alors, ce sont 2000 personnes qui vivent ici depuis le mois d'août qui sont en train d'être évacuées ce matin. Alors, il y a une forte présence policière ici, puisque ce sont environ une centaine de camions de police qui encerclent littéralement ce campement. Les pompiers qui étaient également présents sur place pour éteindre justement les feux qui ont été donc allumés par ces réfugiés, des feux pour brûler tout ce qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux, que ce soit des déchets, des tentes, des matelas ou des affaires du petit mobilier de fortune. Alors quand on est ici, on s'aperçoit vraiment, on prend conscience justement des conditions sanitaires dans lesquelles vivaient justement ces réfugiés. Nous avons rencontré justement un jeune Afghan de 27 ans, Elias, qui est plutôt heureux de cette évacuation. Écoutez-le. La situation est très difficile ici. Il fait froid la nuit. Il n'y a pas de douche, pas de toilette, pas de savon. C'est impossible de se protéger du coronavirus. Tout le monde en France et à Paris est confiné. Sauf nous, les 2000 personnes qui vivent dans la rue au nord de Paris. Alors ces réfugiés qui, vous le voyez derrière moi, continuent de brûler leurs affaires, les affaires qu'ils ne peuvent pas emporter avec eux en attendant d'être évacués dans ces cars. Ils devraient être pris en charge dans différentes structures, des hôtels et des gymnases, toutes situées en Ile-de-France selon les associations.